Qui veut la peau de Jeff Bezos ? Cela pourrait être le titre de ce feuilleton à rebondissements autour de l'homme le plus riche du monde et qui mêle sexe, investigations secrètes et politique au plus haut niveau. Le patron d'Amazon vient de publier sur son blog l'intégralité d'une proposition qui lui a été faite par le tabloïd National Enquirer. En gros, ce journal, propriété de David J. Pecker, un proche de Donald Trump, lui propose de ne pas publier des photos compromettantes en échange de l'abandon de l'enquête que Jeff Bezos a lancée pour savoir comment et pourquoi l'Enquirer a publié des textos privés échangés avec son amante supposée, Lauren Sanchez. L'hebdomadaire jouait ce vendredi la bonne foi en ordonnant une enquête interne sur ce chantage. Jeff Bezos, patron d'Amazon, est aussi le propriétaire du Washington Post, réputé anti-Trump, et dont plusieurs enquêtes ont estimé que c'est le prince saoudien Ben Salman qui avait ordonné le meurtre du journaliste Mohamed Khashoggi. Jeff Bezos, en plein divorce, prend aujourd'hui le risque de voir sa vie privée une nouvelle fois mise à mal. Mais en pointant du doigt, ce chantage d'Enquirer porte un mauvais coup à la famille médiatico-politique du président américain.